sais que tu vas plus préparer dans cette maison-là. Pour me le faire savoir. Daniel, je viens d'avoir du boulot, on a besoin de quelqu'un. Oh, pardon là, j'en ai marre. J'ai entendu, j'ai compris. Tu me coupes l'appétit à la fin. Si ton homme te dit, arrête de travailler. Mais où est le problème? C'était bien entendu, toi et moi. Moi, je suis chargé de ramener de l'argent à la maison. Et toi, ton rôle, c'est de faire des enfants et t'occuper du foyer. Tu penses vraiment, Daniel, que j'ai rêvé de faire carrière dans le ménage comme ça? Avec tous les diplômes que j'ai? Si Daniel est le seul à ramener de l'argent à la maison, tu seras sous sa domination toute ta vie. Si celle-là ramène 10 francs dans le foyer, là, moi, je suis mort. Moi, on ne me domine pas chez moi. Hein. Je ne suis pas comme vous trois, là. C'est ça, l'avantage d'être une maîtresse. Moi, je suis une femme entretenue et fière de l'être. Je ne sais même pas pourquoi tu pleures. Le choix est clair. C'est ton boulot ou rien. Vous êtes assise là avec vos diplômes. Bac plus 4 plus 7. Mais ça n'engage que vous. Hein. En fait, tout le monde s'en fout. Quoi qu'on dise, on a besoin des hommes pour veiller sur nous. Retourne demander pardon à ton homme et reste avec lui. C'est jamais.